la vitesse et elle fait wouh. Allez, ciao. Donc déjà c'est une charco SMR 2020. Donc bah voilà. Je vous montre vite fait la vue parce que quand même ça vaut le coup. C'est une charco SMR 2020 avec full origine. Donc carbut 16 et sinon tout le reste origine avec un pot Voca Chromed, cartouche bleue, un peu sale là. Et ensuite j'ai une plaque. Bon, le chiquino il est un peu cassé là. J'ai une plaque raccourcie avec la bavette que j'ai raccourcie. Voilà. Customisé de chez mesplaques.fr avec deux clignotes chez 50 Factory. J'ai un guidon avec des surpontés 22 vers 28 KRM, voilà bleu. Ensuite j'ai un guidon Watts, le dernier, le guidon bleu un peu chrome, voilà c'est sympa. Sinon j'ai des poignées protéifères sur Amazon. Le reste de la moto c'est d'origine, voilà donc c'est une petite moto sympa. En vitesse de en vitesse max, elle est à 85 km/h parce que je suis en 13,60. Donc ça tire un peu court, le mieux c'est 13,53 et on va prendre environ 95 km/h. Donc je pense qu'un jour je changerai ça. Sinon ce qu'il y a de particulier sur cette moto et qui est pas ouf d'ailleurs, c'est le bloc guidon qui se trouve ici. Donc voilà, sur bêta, genre t'as juste à faire ça, t'appuies tac. Alors que là, faut sortir la clé, tac, une deuxième clé. T'arrives, hop, tu le mets, et ça le bloque. Donc tu prends ta clé, tac, tu mets, tu tournes à gauche, t'appuies, tu relâches, et là tu peux la sortir. Voilà. C'est un peu chiant, mais après t'as le coup de main en fait. Donc ça devient facile. Ensuite, il y a quoi d'autre qui est pas ouf? Le phare, c'est pas du LED, c'est jaune. Donc ça, c'est pas dingue, après c'est sur plein de 50. Aussi le phare ne s'éteint jamais, il n'y a pas de batterie, donc c'est le moteur qui va générer l'électricité pour toutes les lumières en fait. Hein. Le compteur, moi j'ai un bug en fait, c'est que l'heure à chaque fois se réinitialise, sinon il marche bien en fait au final. Donc il donne pas beaucoup d'informations, il y a les heures, le nombre de kilométrages et la vitesse, il me semble que c'est tout. Il y a aussi un niveau de batterie, ça j'ai pas compris c'était quoi, mais on s'en fout un peu. Réservoir, ah oui, le réservoir il fait donc 1 litre de réserve il me semble et 6 litres de réservoir, donc ça fait 7 litres. Ah, donc c'est un réservoir de 7 litres. Donc ça suffit largement, honnêtement. Pour une petite 50, ça suffit bien. Là, c'est le robinet d'essence, donc là c'est ouvert. Là, c'est fermé. Et là, c'est la réserve, voilà. Donc franchement, plus classique, bonne qualité, ça tient bien. Ensuite, le petit cale-pied, voilà. Le kit déco qui est vraiment sympa en origine. Les freins, l'avant qui freine très bien, l'arrière aussi, ça suffit largement, surtout en bridé, mais même en débridé ça va franchement. Sinon j'ai pas eu de soucis particuliers, là j'ai la pompe à huile, donc là c'est l'huile, donc hop je la remplis. Je peux voir le niveau parce que c'est transparent. Et là c'est le liquide de refroidissement. Voilà, et sinon hein, de rien de spécial. Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation. Voilà, ciao.